تنظم مصحة العيون الرباط مؤتمرها السادس، وهذا المؤتمر له ثلاث أهداف. هدف اجتماعي أولا، إجراء عمليات للمرضى المعوزين. ثانيا هدف علمي، تبادل الخبرات بين الأطباء من مختلف، هناك أطباء فرنسيين أطباء مصريين. التكوين المستمر لتبادل الجديد في جراحة العمليات بالنسبة لطب العيون. إذن هذا المؤتمر السادس للجراحة بالليزر، جراحة دقيقة. المؤتمر عنده ثلاثة أهداف. أهداف عمل اجتماعي، بحيث مرضى عدد مهم منهم تجرى لهم عمليات جراحية مجانية. الهدف الثاني هو التكوين العلمي المستمر عن طريق إلقاء محاضرات وورشات والنقل المباشر لعمليات جراحية. والهدف الثالث هو تبادل الخبرات ما بين الأطباء العيون المغاربة والأطباء العيون خارج المغرب. النقطة المهمة اللي بغيت نأكد عليها هو أنه يعني نكونوا فخورين بالمستوى اللي وصلت له في المغرب بصفة عامة طب وجراحة العيون، سواء القطاع العام الجامعي والقطاع الخاص، المستوى اللي هو جد جيد باعتراف أطباء خارج المغرب، مستوى التجهيزات ومستوى التكوين ومستوى الجراحة اللي هو يعني كيشرف المغرب. Premier jour, le vendredi, donc on a pu transmettre pas mal de chirurgie en direct, des interventions qui se font pour la première fois innovantes dans la chirurgie de la cataracte congénitale. Je m'appelle Alain Benahim, je suis ophtalmologiste et je suis né à Marrakech, donc je suis marocain comme vous. Et à l'invitation du professeur Bekali de la clinique et des membres de la clinique de la vision de Rabat, je suis venu pour participer à un congrès de formation sur la chirurgie réfractive et la chirurgie de la cataracte. Nous sommes présents au Maroc à la clinique de la vision qui a un plateau technique de grande qualité et on a pu dispenser des soins et permettre une formation des différents médecins qui participent à ce congrès. C'est toujours un très grand plaisir de venir voir nos amis marocains, et en particulier à Rabat, que je ne connais pas beaucoup, du moins très peu. L'accueil est très chaleureux. On a pu faire des chirurgies en direct qui, à mon avis, a été très intéressante dans les différents domaines, et entre autres dans ce qui m'intéresse ici, pour ce qui est de la cataracte congénitale. Et le tout dans une ambiance très sympathique, avec des gens qui sont là pour aider, pour que tout se passe bien. Et surtout en chirurgie en direct, on est toujours un peu stressé, ben c'est très agréable d'être si bien entouré. Voilà. Donc avec tous mes remerciements. Donc je remercie le professeur Palé de nous avoir réunis aujourd'hui pour parler de différents thèmes de l'ophtalmologie. Ça nous a fait un grand plaisir de revoir nos amis
et voir aussi qu'il y a une nouvelle génération d'ophtalmologues qui vont prendre la relève. L'ophtalmologie prend une orientation très très importante ces derniers temps. La chirurgie réfractive prend une part assez importante dans le développement de l'ophtalmologie moderne. Nous soutenons tous les amis et les ophtalmos qui prennent le flambeau pour développer encore plus cette orientation, et nous leur souhaitons une bonne continuation et merci pour l'invitation. D'ophtalmologie qui est organisée notamment par le professeur Chef Chaouni dans la clinique, qui réunit toutes les spécialités de l'ophtalmologie, surtout le segment antérieur et la paupière, l'orbite et les voies lacrymales. Donc pour ce qui est des paupières et de l'orbite et des voies lacrymales, nous sommes deux, il y a le docteur Imbert, le docteur donc Chef Chaouni et moi-même de Bordeaux, Longueville. Et donc on opère des patients qui ont des paupières qui tombent, ce qu'on appelle un ptosis, ou des paupières, des voies lacrymales bouchées, ce qu'on appelle la dacryocystorhinostomie, que les causes soient traumatiques, congénitales ou tumorales.